raconte le vrai séjour qu'ont fait Franz Kafka et Max Brod. Ils sont très jeunes, ils n'ont même pas 30 ans, ils n'ont pratiquement rien écrit, ils sont drôles, joyeux, etc. Et ils vont aller à Paris, de Prague, donc on imagine Prague, la mystique, et ils vont affronter, mais ce qui est vrai, ce qui est en grande partie vrai, la vie, c'est-à-dire la joie, le mauvais vin, le sang, la gouaille des prostituées, les trottoirs, les combats de rats, les tunnels du métro. Et ces jeunes garçons, pleins de chimères et de fantasmes, vont enfin apprendre à vivre. Moi, j'aime bien décrire le livre comme étant un very bad trip dans le Paris de la Belle Époque, en fait. Ce qui m'a donné envie d'écrire sur ce Kafka, un Kafka joyeux et amusant, c'est qu'il l'était. Il était drôle, il avait beaucoup d'humour, et ce qu'on a un peu oublié. Et lorsqu'il est parti à Paris avec Brod, ils avaient une blague comme ça qui était d'écrire un guide sur rien, qui serait appelé Pour rien. Et c'était un guide sur comment perdre son temps dans la rue, que faire les jours de pluie, comment ne pas trop voir d'œuvres au musée du Louvre. Et je me suis dit, mais il faut écrire ce guide. C'est ce guide-là qu'il faut écrire. Et j'avais envie de leur rendre leur jeunesse, leur joie, etc. Et que le Kafka qui a existé, grave, sombre, tuberculeux, ce soit pour plus tard. J'avais envie qu'ils aient une belle aventure. C'est la semaine qui m'a plu parce que Kafka et Brod arrivent à Paris le 11 septembre. Le lendemain de l'arrestation d'Apollinaire dans le cadre du vol de la Joconde, merveilleux pour un auteur. Et la même semaine, les futuristes débarquent de Milan pour aller saccager une galerie d'art de l'autre côté de la Seine. Donc c'était la semaine. Il y avait quelque chose dans Paris à ce moment-là. Et oui, c'est ce Paris-là d'avant-guerre qui n'est pas spécialement joyeux. Il n'est pas idéalisé. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de crasse. Mais il y a la vie, tout simplement, dans tous ces débordements, dans ces joies et dans ces peines. Il y a la vie de Paris. J'aimerais correspondre avec Henri Darger ou Doggett ou Doggett ou Darjarius, c'est tous les noms qu'il s'est inventé pour n'avoir pas à établir de contact avec les gens. Darger, qui a travaillé pendant 50 ans à nettoyer les sols d'hôpitaux, a été un grand peintre qu'on commence à connaître maintenant, un grand romancier aussi qu'on connaîtra plus tard. Et il était seul, il a toujours vécu seul, entouré de gens, mais par crainte ou par difficulté à parler, il était seul et il écrivait énormément. Il s'écrivait à lui, il s'écrivait à ses moi potentiels qu'il inventait. Et j'aimerais me glisser entre ses identités factices et lui dire qu'il ne s'inquiète pas trop, que dans quelques décennies, on l'appréciera. C'est ça que j'aimerais lui dire. Mais il ne me répondra pas, c'est certain.